pas que je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film. Ce que je suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour moi? Bah, est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est de faire le fou à la ceinture. Non. Yes. Okay. Vous ici. Parce que ici, attendez. Moi, j'aimerais que vous fassiez Aïcha Condisha. Wow. Okay. Sur elle. Hé, hey, je suis pas une sorcière. Ah bah merci. Alors, le truc. C'est très gentil. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il faudrait qu'elle porte un peu du blanc. Il faut qu'elle ait un peu du blanc, quoi. Ouais. Ok, donc à partir de maintenant, ok, vous avez 7 minutes, allez-y. Non mais doucement, 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 ça va. Tu veux filmer Youssef? Tu veux commencer à filmer? Ouais. Alors, le casque, est-ce que tu peux le mettre? C'est. Attends. Tiens-le bien. C'est par ici que tu peux le brancher. Là. Non, c'est en bas en fait. Tu vois par là. T'as la... Ok. Waouh, magnifique. Rogaïa tout, c'est bon. C'est l'équipe de Aïcha Condisha qui va commencer. Donc ça veut dire que toi tu vas te mettre comme ça. Je vais vous expliquer. Aïcha, pour l'instant. Je m'appelle pas Aïcha. Ouais, mais pour l'instant, là tu seras Aïcha Condisha. Ah ouais, tu dois rentrer dans ton rôle. Hein. Ouais, mais... Chacun, vous dans l'équipe, Cosmin, Arifé, Ismaël, Héro, vous allez pouvoir lui faire faire un geste et elle va devoir rester comme ça. Ok ? Attendez. Vous avez un geste chacun et ensuite, Noah, elle va devoir rester le plus longtemps possible comme ça. Ensuite, j'aimerais que chacun à votre tour, et si je rigole, vous me racontiez. Qui est ce personnage un peu? Ok. Donc allez-y, vas-y Arifé, tu peux lui faire faire un geste. Tu vas le faire aussi. Nicolas. Nicolas. Ok, c'est largement, c'est beau, c'est déjà un geste. Hein. Et n'hésite pas à, si tu veux, à un moment donné, tu peux utiliser le zoom pour aller plus proche. L'idée, c'est que j'aimerais que tu filmes celui qui est en train de parler. Ok. Hey. Oh. Quand eux ils vont parler. Ok. C'est bon ? Cosmin et Youssef. Ouais, Cosmin, toi tu vérifies le son. On enregistre. Youssef ? Youssef ? Ça tourne ? Alors. Chacun à notre tour, vous avez le droit de dire
un mot à propos de ce personnage. Ok, Rogayatou et Rania? Alors attention, je vous explique. Ce micro, contrairement aux autres micros qu'on a utilisés pour l'instant, vous avez vu, on peut le toucher. Il n'y a pas de souci. Tu m'entends là? T'entends? Bon, faut pas trop le faire non plus, mais disons que tu vois, je peux quand même le prendre comme ça, ça va. Après, il faut quand même, c'est mieux si on parle devant le micro. Ok, Rogayatou? Quand tu vas parler, il faut quand même parler un peu devant le micro. Là, tu m'entends mieux, Cosmine, hein, que là, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais que vous me dites un petit peu, vous regardez ce magnifique Aïcha Kondisha. Est-ce que vous pouvez me dire qui c'est que vous voyez? Elle ressemble à une dame blanche. Elle fait peur, elle est méchante avec les enfants. Elle sort à 1h du matin pour manger les enfants et tout ça. Ok. Elles sont mauvaises, comme du poisson. Attends, j'aimerais bien poser un petit truc. Pourquoi elles sont mauvaises, Rania? Aïcha Kondisha. Attends. Elle se lave jamais, c'est parce que c'est un fantôme. Et je me suis lavé aujourd'hui. Attends. C'est un fantôme, elle se lave jamais, d'accord. Okay. Si elle se met de l'eau, alors elle va crier. Et en plus, elle est moche. En fait, elle se lave jamais et quand elle a fini de manger, elle frotte avec son pull le sang qu'elle a mangé. Et à 1h du matin, elle arrive dans les chambres des plus moches, des plus gentils enfants. Elle va jamais chez les méchants. Et elle est mariée avec Shaitan. Oh non, le niveau du son. Regarde, et j'aime pas Isaac Mounidia parce qu'elle est moche. Merci. Elle s'habille comme une sorcière. De un, c'est une sorcière. Merci. Elle se maquille comme je sais pas quoi, un chat. J'ai entendu les plus beaux compliments okay. De ma vie. Ok. Après, on va aller en reparler, mais en bas dans la cave. Pour l'instant, on va changer d'équipe. Ok ouais. Donc, Noah, tu peux te rasseoir. Ouais, bravo. Yousra et Elif, vous devez lui donner une position aussi. Je peux lui donner une position. Ok, Yousra. Je peux commencer. Ouais, mais il faut que tu te lèves et puis que tu la. Faut vraiment que tu lui montres. Mais on dirait une pirate. Ok, Rogayatou à toi. Rogayatou, recule. Non, c'est un geste. Là, t'en as trop des gestes. Soit tu lui demandes de faire comme ça avec le pied, soit tu lui demandes de faire comme ça avec le bras, mais c'est un geste. Choisis le bon geste. Alors, ok. Ayusra. Rania, Rogayatou, tu peux t'asseoir. Ouais. Ok. Ça tourne. Ouais. Ouais, je crois. Youssef, c'est qui ce personnage? Je le connais pas, mais je sais que c'est un fou avec une ceinture et ouais, qui tape ses élèves. Toi, tu l'as jamais vu? Non. Ils disent du n'importe quoi, il n'existe pas. Il tape les enfants avec sa ceinture, il est très moche, il a du sang partout. Et t'as peur de lui? Non, j'ai même pas peur. Il a du sang, on dirait un vampire. Il est très moche. Ouais. C'est la chose la plus moche du monde. Il a plein de cicatrices, il en a même des vertes. Et qu'est-ce qui lui est arrivé du coup à ce fou là? Pourquoi il est fou en fait? On sait juste que lui il va tout le temps dans les écoles, il tape les enfants. On sait pas pourquoi il fait ça, on sait pas pourquoi il fait ça. Ah, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Moi je sais pas. Est-ce que Harifé elle sait? Il est devenu fou parce qu'il était fou. Il est devenu fou parce qu'il était fou. Il est né comme ça? Oui, il est né comme ça. Bon, on va faire 5 minutes de pause, les amis. T'as mangé du foie de mouton. Et dans 5 minutes, on descendra à la cave, s'asseoir sur une chaise pour continuer un peu ce qu'on fait. Nicolas a oublié. Vous vous souvenez quand vous étiez venu au CVB, on avait collé des vidéos avec un autre son derrière. Et moi, j'aimerais que tous les sons qu'on a pris là, qu'on parle du foie à la ceinture, ensuite on aille filmer le foie à la ceinture, alors ce sera Rania, dans la rue pour mettre le son des paroles dessus, tu vois. Pour le micro, pour avoir un beau son. C'est pas ça. Pour avoir un beau son, faut pas être non plus comme ça parce que ça grésille et tout. Faut pas être trop loin. En plus, il y a la bave des autres. Voilà, maintenant il y a la bave des autres en plus, donc c'est vraiment dégueulasse.
Mais par contre, voilà, plutôt proche, à peu près comme ça. D'accord ? On entend bien ? Bon, bah, si on m'entend bien, ça va alors. Faut pas que ce soit trop fort non plus. Hein. Alors, moi, je me demandais un petit peu. J'aimerais qu'on reparle d'abord de ce fou à la ceinture. J'ai vraiment envie de vous entendre sur ce fou à la ceinture. Je veux savoir qui c'est, mais moi, peut-être même un peu plus de savoir qui c'est. Je sais pas. Est-ce que. Qui c'était avant qu'il soit fou, quoi ? Ashokunisha, elle était un fantôme avant de venir chez le fou. Et il s'appelle pas fou, il a un nom, il était vraiment gentil avec les autres. Puis Ashokunisha l'a hypnotisé. Ashokunisha est dans son corps. Puis il frappe que les enfants, il les tue, puis il les apporte chez lui. Je pense que aussi c'est parce qu'il est fou qu'il a pas de meuf. Et. S'il trouve pas de meuf, il va commencer à. Sa tête, elle va. J'aurai pas d'enfants, alors je vais commencer à tuer tous les enfants. Voilà. Comme ça, personne n'a des enfants, comme ça, il soit comme lui. Voilà. Sans enfants. Moi, j'ai rien à dire, je crois pas en ce fou. Ils l'ont inventé. Ou ce sont leurs parents qui l'ont raconté ça pour qu'ils sortent pas dans la rue. Pour qu'ils ne soient pas renversés par une voiture, à ce qu'ils parlent. Je pense que les parents ont peur que les enfants sortent. Ouais, ou bien leurs grands-parents, ils ont raconté à leurs parents ça, et leurs parents, ils sont encore croyants en ça. Alors ils croient qu'il y a un fou dans la rue, ils ne veulent pas les laisser sortir. Ils disent ça. Mais t'as dit qu'il y avait quand même des fous dans le quartier, non? Oui. Mais pas à tuer des gens. S'il voit un inconnu, il va rien lui faire. Mais s'il va voir quelqu'un qui l'a embêté, là, il va le tuer. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on parle de Aisha Kondisha aussi, parce qu'on a beaucoup parlé du fou. Et moi, j'aimerais savoir, du coup, qui c'est Aisha Kondisha, peut-être avant qu'elle soit un fantôme. Son vrai nom, elle s'appelle Aisha. Tout le monde de son village, il la connaît, elle est toujours gentille avec les enfants et tout ça. Et un jour, son mari, il a volé. Puis, il voulait le frapper. Et elle s'est fait endormir. Et les gens de son village, ils sont entrés dans sa maison pour tuer son mari. Et quand elle a vu son mari mort, par terre coupé la tête, elle avait crié. Et puis le diable, il a dit, viens, on se marie. Et il l'a hypnotisé pour toute sa vie. Ses ongles, ça sort et tout ça. Elle a des cicatrices, elle se blesse. Il la voit Aisha Kondisha, mais on l'appelle Aisha Kondisha. Parce que Kondisha, c'est une sorcière. D'un côté, je crois que Aisha Kondisha, elle est vraie parce qu'il y en a 2 sur 8 qui ne croient pas en Aisha Kondisha ici. Et de l'autre côté, je ne crois pas trop que c'est vrai. Parce que je crois pas au fantôme. Je crois pas qu'elle s'est mariée avec le fou. Tu crois quoi alors? Je crois qu'elle a survécu toute seule dans les maisons hantées. Ouais, ça existe. Okay. Et elle est seule depuis des années. Oui, et maintenant elle est morte. Maintenant c'est son fantôme qui travaille à sa place. Et quand c'était pas un fantôme, elle était comment? Est-ce que c'était quelqu'un qui racontait des blagues ou alors c'était quelqu'un qui restait chez elle? Elle était toujours méchante avec ses copines. Et comme elle a grandi, elle est devenue de plus en plus méchante. Après, à la fin, elle est devenue sorcière. Donc une fois que tu as ton image, tu dis silence. Moteur, action. Voilà. On bouge plus pendant, on prend au moins 30 secondes, quoi, sans bouger. Ok ? Youssef, t'es content de ton plan, toi ? Ouais. Ok. 30 secondes. Couper. Ok, bravo.